Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Sartre avec vous pour Sainte Angélus du Pape François, place Saint-Pierre, en ce dimanche 7 janvier 2024, jour de la fête du baptême du Seigneur. Un grand bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent via notre site internet www.vaticannews.va, via notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, mais également à toutes celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires Radio Salve Regina en Corse, Radio Fidélité Nantes, Radio Maria France, Celle et Lumière Télé, IWTN Télé, Radio Espérance, Radio Télé Catholique Élique à Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo et Ecclesia Télé de Côte d'Ivoire. Le pape François a célébré ce matin la chapelle Sixtine, la messe. Il a présidé cette célébration au cours de laquelle il a baptisé 16 enfants de moins d'un an, des enfants des employés du Vatican, comme le veut la tradition. Il leur a notamment rappelé l'importance de se souvenir de cette date qui est leur date de naissance au Christ. Ils leur rendent grâce pour le don de la foi reçu en cette journée si particulière pour ces petits. Maintenant, le pape François s'adressera à la foule des fidèles réunis place Saint-Pierre au lendemain de la fête de l'Épiphanie. Plusieurs milliers de personnes qui ont bravé le mauvais temps pour venir donc écouter la catéchèse du pape, la prière de l'Angélus et ses appels qu'il adressera à la foule réunie ici, mais également au monde entier. On célèbre donc aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur par Jean le Baptiste, comme le rappelle l'évangile de ce jour. Dans quelques secondes maintenant, le pape François apparaîtra à la fenêtre de l'appartement du palais apostolique, les rideaux s'ouvrent. Et le pape François salue les fidèles et les pèlerins réunis sous ses fenêtres. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. Celui-ci a lieu au bord du Jourdain, où Jean, appelé pour cette raison Baptiste, accomplit un rite de purification qui exprime l'engagement à quitter le péché et à se convertir. Le peuple va se faire baptiser avec humilité, avec sincérité, et comme le dit la liturgie, avec l'âme et les pieds nus. Et Jésus y va aussi, inaugurant son ministère. Il montre ainsi qu'il veut être proche des pécheurs, qu'il est venu pour eux, pour nous tous qui sommes pécheurs. Et ce même jour, des choses extraordinaires se produisent. Jean-Baptiste prononce une parole inhabituelle, reconnaissant publiquement Jésus, apparemment égal à tous les autres, un peu plus fort que lui, qu'il baptisera dans l'Esprit Saint. Puis les cieux se déchirent. L'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe et d'en haut la voix du Père proclame « Tu es mon Fils bien-aimé et en toi je trouve ma joie. » Tout cela, si d'une part on nous révèle que Jésus est le Fils de Dieu, d'autre part, tout cela nous parle de notre baptême qui a fait de nous, à notre tour, des enfants de Dieu. Le baptême nous fait enfants de Dieu. Le
Dans le baptême, Dieu entre nous purifie et guérit nos cœurs du péché, fait de nous ses enfants pour toujours. Dieu devient intime avec nous et ne nous quitte plus. C'est pourquoi il est important de se rappeler de la date de son baptême. Et connaître aussi les dates. Moi, je demande à vous tous, pensez-y, chacun d'entre vous. Vous vous rappelez la date de votre baptême? Tu ne t'en souviens pas, en retournant à la maison, demande. C'est dommage, parce que c'est un nouveau compléant, un nouvel anniversaire. Le baptême est donc le don d'une vie nouvelle. Remercions le Seigneur pour le baptême. Et remercions-le aussi pour les parents qui nous ont porté la source baptismale, pour ceux qui ont administré le sacrement, pour le parrain et la marraine, pour la communauté dans laquelle nous l'avons reçu. Fêtez son propre baptême. C'est un nouvel anniversaire. Et nous pouvons nous demander, suis-je conscient de l'immense don que je porte en moi par le baptême? Est-ce que je reconnais dans ma vie la lumière de la présence de Dieu qui me voit comme son fils bien-aimé, comme sa fille bien-aimée? Et maintenant, en mémoire de notre baptême, accueillons la présence de Dieu en nous. Nous pouvons le faire avec le signe de la croix qui trace en nous la mémoire de la grâce de Dieu, qui nous aime et désire être avec nous. Faisons-le ensemble. C'est le signe de la croix qui nous le rappelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas la date de votre baptême, qui est un anniversaire. Marie, temple de l'Esprit, aide-nous à célébrer et à accueillir les merveilles que le Seigneur accomplit en nous. Angelus Domini, nunc avit Maria. Et concevit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo domine, mentibus nostri si infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tu, incarnazione coniovimu, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamu, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Iutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Voilà la prière de l'Angélus récitée par notre père François. Maintenant, voici ses saluts. Chers frères et sœurs, en cette journée du baptême du Seigneur, j'ai baptisé quelques nouveaux-nés. Prions pour eux et pour leur famille. Et étendons cette prière pour tous les enfants qui reçoivent aujourd'hui, en ces jours-ci, le Saint baptême. Aujourd'hui, les communautés ecclésiales d'Orient qui suivent le calendrier julien célèbrent le Saint Noël. Je souhaite que la naissance de Christ porte lumière, paix à ces communautés.
J'appelle à la libération sans condition immédiate de toutes les personnes enlevées et séquestrées en Colombie, afin de favoriser ainsi un climat de réconciliation et de paix dans le pays. Je suis très proche aux populations de la République démocratique du Congo, frappées ces derniers jours par des inondations. Et s'il vous plaît, continuons de prier pour la paix en Ukraine, en Palestine, en Israël et dans le monde entier. Je vous salue tous, pèlerins venus d'Italie et de tant de régions du monde. Del Santissimo Crocifisso in Roma. Et de saluer les enfants et les jeunes d'une paroisse de Rome, il gruppo Scout Milano 35, des scouts qui viennent de Milan, et l'associazione Tutus Tuus di Potenza, ainsi que les membres d'une association Tutus Tuus du sud de l'Italie. Je vous souhaite una bella festa. Une belle fête. Et, per favore, et s'il vous plaît, non dimenticatevi di pregare per me. N'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon appétit. Et au revoir. Voilà, c'était l'Angélus du pape François en cette fête du baptême du Seigneur. Le pape, dans ses saluts, a donc rappelé le baptême ce matin en la chapelle Sixtine de 16 enfants, de 16 nouveau-nés. Il a souhaité un joyeux Noël à toutes les communautés chrétiennes qui célèbrent la naissance du Christ selon le calendrier julien. Il a lancé cet appel à la libération de personnes retenues prisonnières en Colombie par les différents groupes armés, ainsi que sa proximité pour les populations touchées par les inondations en RDC. Et puis bien sûr une prière pour la paix dans tous les pays en guerre. Voilà, c'était l'Angélus du pape François en direct depuis la place Saint-Pierre. Xavier Sartre avec vous. Merci encore de nous avoir suivis, de votre fidélité. Un grand salut à toutes celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires Radio Salve Regina en Corse, Radio Fidélité Nantes, Radio Maria France, Célé Lumière Télé, WTN Télé, Radio Espérance, Radio Télé Catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria République Démocratique du Congo et Ecclesia Télé de Côte d'Ivoire, ainsi que celles et ceux qui nous suivent via notre site internet ou notre page Facebook. Très bon dimanche à toutes et à tous. Laudetur Jesus Christus.